Estelle. Je suis ravie que tu aies accepté de venir aujourd'hui répondre à toutes mes questions pour Debelila, pour toutes celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors la première question que je voudrais te poser, c'est comment est-ce que tu as découvert ou comment est-ce que tu as entendu parler de Debelila? Bonjour Janelle, en tout cas merci pour l'invitation. Moi j'ai découvert ta méthode par un magazine féminin il y a environ une année maintenant et j'ai participé à un premier atelier au Richemont à Genève. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite inspirée. En voyant ta photo également sur le magazine, je me suis dit « Waouh, j'aimerais la même silhouette que Joël ». Donc une fois que tu as fait la première conférence, Estelle, le premier atelier avec moi à Genève, au Richemont, qu'est-ce qui t'a vraiment le plus plu, ou je dirais même marqué, avec la méthode de Debelila? Alors en fait, je suis assez sportive. Mais mon point faible a toujours été mon ventre, donc jamais assez plat, jamais contente des résultats, aussi bien en faisant des séances d'abdominaux, du gainage, etc. Et c'est vrai qu'en pratiquant ta méthode, en peu de temps, aussi bien peu de temps sur la durée de l'exercice que sur la durée en semaine, j'ai vu qu'on pouvait vraiment se muscler de l'intérieur très rapidement, avec des résultats magnifiques. Donc, tu as vu un changement rapide? Alors, personnellement, en une semaine, j'ai vu que ma taille s'affinait. Au niveau de la posture également, on a une plus belle posture. Et un ventre beaucoup plus plat. Un ventre beaucoup plus plat. Estelle, je sais que tu es une maman accomplie, une femme d'affaires, une femme très sportive. J'ai besoin de savoir, et pour toutes les femmes qui nous regardent, comment tu as pu incorporer ou intégrer TBL, les 10-15 minutes par jour, dans ta routine, dans ton quotidien. Où tu as trouvé le temps de faire ça? Merci. Ben, on a tout un peu le temps très chargé en général, c'est vrai. En général, je prends du temps le matin, soit le matin 10 minutes ou le soir pour faire mes exercices. Et si vraiment j'ai une journée horrible avec vraiment très peu de temps pour moi, j'essaye en voiture de pratiquer mes exercices. Et également le soir, avant d'aller me coucher au lit, en m'étendant avant de dormir, je pratique. C'est ton mari qui doit être très content. Il est très heureux avant d'aller dormir. Et pour toutes les femmes qui nous regardent, elles vont se demander, dans la voiture, mais comment est-ce qu'on fait de Debelila dans la voiture? Donc ça tombe bien parce qu'on va laisser ça une énigme. Et comme ça, elles viendront toutes me rencontrer et voir la méthode pour savoir comment est-ce que dans sa voiture, on peut pratiquer de Debelila. Estelle, as-tu déjà entendu parler de la gym hypopressive? Non, pas du tout. Alors, je vais profiter de ce moment qu'on a toutes les deux pour t'expliquer ce que c'est et te dire à quel point c'est important de comprendre et d'où ça vient. C'est en fait un médecin donc, qui avait inventé cette méthode-là, qui est hypopressive parce qu'en fait, on va essayer de partir du bas vers le haut. Au lieu d'avoir et de pousser les organes vers le bas et vers l'avant, Debelila va te permettre, grâce à la méthode posturo-respiratoire, de rentrer le ventre, de faire remonter le périnée et les organes vers le haut, de façon à avoir un ventre plus plat bien sûr, mais de façon à bien remettre ses organes, avoir une plus belle silhouette, avoir un travail du transit, enfin de façon vraiment à travailler sur un ensemble de bienfaits. Et on parle de méthode hypopressive à l'inverse de hyperpressive, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une méthode qui va pouvoir remonter toute la poche d'organes vers le haut et non pas l'inverse. Ça te parle, Ça me parle, oui. Voilà, donc ça c'est vraiment la méthode hypopressive. Estelle, merci beaucoup, l'interview s'achève. Je voulais te remercier du fond du cœur pour tout ce que tu as fait et que tu vas encore faire avec Debelila, pour ce chemin. Et ben, à bientôt en Suisse alors. Merci beaucoup à toi Joël pour ta magnifique méthode qui pour moi fait des miracles. Et c'est clair que je vais continuer à parler autour de moi, à toutes mes amies et partager au maximum. Alors vous aussi, si vous avez des amis, de la famille, des gens avec qui vous avez envie de partager la méthode de Debelila, vraiment n'hésitez pas à partager.